En ces jours-là, le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là, et la vision peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle. Sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit, « Me voici !» Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici !» Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher !» L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva, il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici !» Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit, « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissait aucune de ses paroles sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète du Seigneur.